simplement aussi la problématique des données personnelles qui, vous l'avez vu aux États-Unis dans la première semaine, ont permis à l'éditeur d'avoir accès aux contacts, aux adresses, à la messagerie mail de l'usager. Il y a aussi le problème de la consommation, puisque dans peu de temps, vous serez invité via ce jeu à vous rendre dans telle ou telle enseigne, dans tel ou tel commerce, donc ça fait référence au droit de la consommation, au droit de la concurrence. Et puis vous avez aussi toute la problématique des rassemblements provoqués par ce type de jeu, qui dans un état d'urgence vont naturellement poser des problématiques.